aleki na nini zambe na ngai na pesa zali zambe ngai na pesa yo nini zambe na ngai na pesa yo nini kamata motema na ngai zambe na ngai na pesa zambe na lola ngai na pesa yo nini Zambe na ngai na pesa yoni Oh, 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 mon Dieu Tu es bon Oh, mon Dieu Tu es bon Oh, mon Dieu Tu es bon Tu es bon pour moi Tu es bon Tikangana yembe la yo.
Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le roi des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'acclamons, nous l'acclamons et nous poussons des cris de gloire à l'honneur de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voulons louer notre Dieu. Il siège dans l'adoration et dans la louange de son peuple. La Bible dit dans le livre des Psaumes 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissons son nom. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous voulons louer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Commence à manifester la joie. Loue ton Dieu avec des danses et des acclamations. J'ai l'air connu,
échappé à Simère, qui vient d'un seul conduit. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Que j'ai longtemps marché, 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 j'ai longtemps marché, 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 personne, j'ai trouvé, 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 j'ai fouillé, 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 personne, personne, il y a vraiment personne. Sans paix, malade, 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 sans pa
On acclame Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire. Et nous poussons des cris de joie. Gloire. Des cris de joie pour gloire. Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée. Pour que nous puissions adorer notre Dieu. Comme vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Il est temps vraiment d'intensifier la prière et de rester dans la présence de Dieu. La Bible dit, un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Nous allons partager la parole de Dieu cet après-midi. Et nous lirons dans les livres de Job, chapitre 24, et nous lirons principalement les versets 1. Job, chapitre 24, et les versets 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 24, verset 1er, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? La parole du Seigneur. Dis Amen. Job dit, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Ça, c'est la déclaration de Job. Job s'est rendu compte à un certain moment qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés dans sa vie. Il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui se sont déroulées de manière un peu vraiment rapide. Et maintenant, il s'est dit, mais est-ce que je ne peux pas me rattraper? Pourquoi le Tout-Puissant ne mettrait-il pas des temps en réserve? La plupart d'entre nous, ils pensent que Dieu va mettre des temps en réserve. Il va te dire, d'abord commence à faire ta vie au brillant. Les jours où tu seras conscient, tu vas mettre ça au propre. Dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas de temps de distraction. Il n'y a pas de temps où nous mettons la vie au brillant. Tout ce que nous faisons dans notre vie, tout le temps que Dieu nous a donné, ça compte. Nous devons mettre ça à profit.
au lieu d'attendre que Dieu mette le temps en réserve. C'est à toi de saisir les opportunités, de saisir le temps de Dieu et de les mettre à profit. Pourquoi le Tout-Puissant ne mettrait-il pas de temps en réserve? Je suis en train d'abord de jouer, je suis en train d'abord de blaguer, je suis en train d'abord de manger, de boire, je suis en train de me distraire et j'attends qu'un jour Dieu commence maintenant à chercher d'autres temps pour moi. Non, le temps que Dieu t'a donné, le temps que Dieu a mis à ta disposition, c'est le temps que toi tu dois exploiter. Dis amen. Amen. Alors dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que la Bible nous recommande en ce qui concerne le temps que Dieu nous donne. Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, du 15e au 17e verset, au nom de Jésus-Christ. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Dis amen. Amen. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. La Bible dit, prenez garde de vous conduire avec prudence. Circonspection, la Bible dit, avec circonspection. La Bible déclare, conduisez-vous avec perception, qui veut dire conduisez-vous avec prudence. Conduisez-vous avec prudence pendant le temps de votre jour. Vous devez être prudent. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Circonspection, ça veut dire la prudence. Ne prenez pas votre vie à la légère. Ne vous conduisez pas comme vous voulez vous conduire. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la prière qui compte. C'est aussi la marche. Vous devez marcher avec prudence. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Moi, je n'ai jamais vu une année aussi mauvaise comme l'année 2020. Et je ne peux pas comprendre que les gens soient dans la distraction pendant cette année. Alors que nous voyons tout ce que cette année nous a fait voir, nous devons nous conduire avec prudence. Nous devons être prudents. Nous devons être concentrés dans le Seigneur, devant la face de Dieu, rester dans la prière. Il est même hors de question qu'on te dise, va en prière, fais les 21 jours, fais les 14 jours, cherche la délivrance. Conduis-toi avec prudence et rachète le temps. Il n'y a pas de brouillon. Tu ne peux pas te conduire comme tu veux. Après maintenant, quand tu vas voir que les choses ne marchent pas, tu vas dire pourquoi Dieu n'a pas mis le temps en réserve pour toi. Dieu ne met jamais le temps en réserve pour toi. Tout le temps que Dieu nous donne, c'est comme de la manne. Vous savez, quand Dieu donnait la manne aux enfants d'Israël, il leur donnait la manne chaque jour. Et qu'est-ce que Dieu disait? Qu'aucune famille ne puisse laisser la manne. Vous devez consommer la manne chaque jour. Vous ne pouvez pas garder ça en réserve. Ça doit finir. Parce que demain, il y aura encore de la manne. Et la Bible dit, ceux qui laissaient la manne, ça pourrissait. Donc si toi tu commences maintenant, le temps que Dieu t'a donné, les jours que Dieu t'a donné, tu commences maintenant à t'amuser, tu risques de pourrir ta vie. Quand maintenant tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Que ton temps est déjà passé, tu as fait passer du temps et tu n'as pas profité de ton temps que Dieu t'a donné. Des opportunités que Dieu t'a données.
David dit dans le psaume 90, donc 90, verset 12, « Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions diriger nos cœurs dans la sagesse. » Il faut que Dieu t'apprenne à compter tes jours pour que tu puisses conduire ton cœur dans la sagesse. Pas croire que le temps là est là pour toi. Tu vas t'amuser comme tu veux. Tu vas être distrait comme tu veux. Maintenant, quand tu vas voir que ça ne marche pas, tu te dis que Dieu te donne maintenant les opportunités. Mais Dieu t'a déjà donné les opportunités. Profitez-en. Rachetez le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Le mot est difficile, hein? Circonspection. Non comme des insensés, donc avec prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions conduire nos cœurs dans la sagesse. Parce qu'à un certain moment, si tu commences maintenant à te conduire n'importe comment tu veux maintenant, on t'a enseigné, on t'a appris beaucoup de choses. Tu connais les messages du combat spirituel, tu connais les principes du combat, tu sais comment nous nous comportons même à la fin de l'année. Tu veux que maintenant qu'on commence à te rappeler cela, tu es déjà mal barré. Parce que les principes, toi, tu les connais. Tu sais comment nous marchons. Qu'est-ce que nous faisons à la fin de l'année? Comment nous nous comportons à la fin de l'année? Comment nous préparons l'année qui vient? Toutes les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Dis amen. Les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. La Bible est telle qu'il fait une distinction entre les années. Il faut faire une distinction, mon frère, ma soeur. Lisons Romains, chapitre 14, versets 5 à 6. Tu dois faire une distinction. 2019, ce n'est pas 2020. 2020, ce n'est pas 2021. 2021, ce n'est pas 2018. Ce n'est pas 2000. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 14, du verset 5 au verset 6, au nom de Jésus-Christ. Telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Et celui qui ne distingue pas entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Amen. Dis amen. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Que chacun distingue. Tu dois distinguer les jours. Il ne faut pas qu'à tout moment qu'on soit derrière toi pour te rappeler. Tel fait une distinction entre les jours. Elle peut dire, ah, maintenant les jours que j'ai passés avant, ce n'est pas la même chose. Maintenant je dois intensifier la prière. Je dois chercher la face de Dieu. Je commence à voir que ce n'est pas la même chose. La vie est faite de saisons. Si tu rates ta saison, c'est difficile de rattraper la saison. Alors si toi tu ne fais pas de distinction, tu penses que toutes les saisons sont les mêmes, tu seras surpris que ta saison que tu devais agir, où tu devais entrer en profondeur, est passée. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas une distinction. Tu ne regardes pas que les jours ne sont plus les mêmes. Je me souviens, il y a deux jours, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, et je peux même dire, papa David Cox, il me dit, papa Amos,
je n'aurais jamais pensé de ma vie que nous pouvons passer une nouvelle année tout en restant à la maison et regardant à la télé les cultes. Ça ne pouvait même pas venir dans ma tête. Et je suis étonné que cette année ici, 2020, nous amène des choses qu'on n'avait jamais, jamais, jamais pensées. Mais il fait une distinction. Elle fait une distinction. Il y a un autre, nous sommes à 21 jours. Il mange son riz avec les pondou, avec les bouts de côte. Il rend grâce à Dieu. Tel autre dit, non, je vais jeûner, je vais prier, interroger le Seigneur. Je vais entrer dans la présence de Dieu. Il rend aussi grâce. Ça n'est pas chacun maintenant comment toi tu fais la distinction. Est-ce que tu distingues? La Bible dit, quand nous lisons dans les livres de Ruth, au chapitre 1, principalement je pense les versets 22, la Bible déclare, Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem au temps de la moisson des orges. Ils sont arrivés à Bethléem au moment où il y avait la moisson. Et la Bible dit, Naomi n'est pas restée à la, Ruth n'est pas restée à la maison. Elle s'est dit, comme c'est le moment de la moisson, je vais aller aussi dans les champs. Même glaner derrière les moissonneurs. Parce qu'ils sont arrivés au moment de la moisson. Maintenant, elle a distingué les temps. Je viens de Moab, j'étais dans la malédiction, j'ai tout perdu, mais j'arrive à Bethléem au bon moment. Amen. Il faut que je profite de ces moments-là. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Ruth est arrivée au moment de la moisson des orges. Au lieu de rester à la maison avec sa belle-mère Naomi qui était aussi veuve, elle a dit, Naomi, moi je vais glaner. Qu'elle dise, je vais glaner. Je vais glaner. Je ne peux pas rester. Si je reste, nous allons mourir de faim. Moi je suis veuve, toi aussi tu es veuve. Tu es âgé. Moi je suis encore un peu jeune. Si je reste comme ça. C'est beaucoup de gens sont restés. Il est jeune ici. Il a peut-être étudié, il a les bacs, il a un diplôme. Mais tous les temps qu'il est resté, il est peut-être social, mais il ne se forme pas. Mais il y a beaucoup de formations. Forme-toi. Même pour être dirigeant d'entreprise. Cherche. Et tu fais passer le temps. Tu fais passer le temps. Et tu veux qu'on te mette le temps en réserve. Le temps en réserve, ça n'existe pas. J'ai toujours dit, même pour la journée, Dieu nous donne 24 heures. Dans les 24 heures, c'est divisé à 3. Nous avons 8 heures de travail, pas au travail. 8 heures de sommeil et nous avons 8 heures pour les divers. Rassure-toi mon frère, ma soeur, demain encore on te donnera 24 heures. Le surlendemain, tu auras encore 24 heures. Mais ta réussite et ton échec dépend de la façon dont tu utilises tes 24 heures. Tu as droit, certes, à 8 heures de sommeil. Tu as droit à 8 heures de divers. Mais aussi, tu as droit à 8 heures de travail. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne peux pas rester toute la journée, je ne fais rien. Je dis à ma femme, mais ça m'ennuie. Je dois même soit méditer, soit écrire même quelque chose, même un livre, même lire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de 24 heures? J'ai pris, je médite, je cherche même un livre, je dois écrire, je dois faire même des recherches quelque part. Même les filles qui sont aussi à la maison de prière, ils voient parfois, je suis en train d'écrire. Je peux faire 24 heures parce que je prêche, je ne fais rien. Vous devez vous conduire avec prudence. Vous devez apprendre à utiliser vos jours. Et vous avez maintenant 8 heures de travail. 8 heures de soins, 8 heures les divers là maintenant vous divisez.
Il y a un temps pour suivre la télé, pour suivre les informations. Il y a un temps pour suivre peut-être les films. Il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas vivre dans l'amalgame, dans la confusion. Quel qui fait une distinction entre les jours, il agit bien. Apprenez à faire une distinction. Ne vivez pas dans l'amalgame. Aujourd'hui, nous sommes surpris. 2020 nous a surpris. Avec toutes ces contraintes, on ne s'y attendait pas. Mais nous devrions profiter les temps que Dieu nous avait donné, même pour nous réunir ensemble, pour être dans la prière. Il faut racheter les temps. Les jours sont mauvais. Parce que quand on va te demander des comptes, tu vas dire non. Tu vois, pendant ce temps-là, j'étais un peu distrait. Alors Dieu doit me comprendre. C'est peut-être la folie de la jeunesse. Maintenant, si Dieu peut m'accorder encore du temps, je ferai mieux. Non, le temps que Dieu t'a donné là, c'est le temps que tu dois exploiter. Tu dois racheter. Tu dois profiter de ce temps-là que Dieu a mis à ta disposition. Vous savez, dans le livre de Genèse, notre patriarche Jacob, la Bible dit qu'il est arrivé en Égypte. Quand il arrive en Égypte, on les a mis dans la région de Goshen, là, avec tous ses enfants, parce que Joseph est régné là-bas en Égypte. Maintenant, Joseph est allé les présenter chez Pharaon. Comme il était serviteur de Dieu, comme il était homme de Dieu, il s'est dit maintenant, moi je vais aller bénir Pharaon. Mais il a oublié qu'il est venu maintenant en Égypte à cause de la famine. Parce qu'il n'y avait pas du pain dans son pays. Il y avait la crise, il y avait la malédiction, il y avait la condamnation. Maintenant, il est venu chez Pharaon pour chercher du pain. Là, il arrive. Joseph l'amène chez Pharaon. Maintenant, il veut bénir Pharaon. Maintenant, avant de bénir Pharaon, Pharaon lui a posé une question. On peut lire ça. Dans Genèse 47, 7 à 9. Conduisez-vous avec prudence. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 47, verset 7 au verset 9, au nom de Jésus-Christ. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. Dis Amen. Amen. Lis le verset 28. Verset 28, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Amen. Dis Amen. Amen. 147 ans moins 130, il n'y a que 17 ans, des années de bonheur. On dit maintenant, Jacob est allé pour bénir Pharaon. Maintenant, Pharaon lui pose la question. Toi qui es venu maintenant ici à cause de la famille, avec toute ta famille, quels sont les jours des années de ta vie? Quel est ton âge? Jacob dit, au lieu de dire j'ai 130 ans, maintenant il commence à dire non, les jours des années de ma vie ont été plus mauvais. C'est-à-dire, je n'ai pas exploité, je n'ai pas profité, j'ai joué, j'ai blagué, je me suis marié à gauche, je me suis marié à droite, j'ai passé mon temps pour rien. Vous savez, hein, quand tu as du succès comme Jacob avait,
Léa, Rachel, il y a un homme de Dieu qui disait, c'est comme tu es dans l'état d'ivresse, d'ébriété. N'a quitté. Quand tu es dans l'état d'ébriété ou d'ivresse, parfois tu ne sais pas que tu as uriné dans les habits. Mais quand maintenant l'état d'ébriété passe, l'état d'ivresse passe, maintenant après tu te rends compte que tu as uriné dans les habits. Oh. Na soubaki, habité, ozaki na kuiti. Tu ne peux pas vivre comme si tu es en état d'ébriété. Peut-être tu as du succès, peut-être tu as des moyens, peut-être tu as une vie en rose, tu es dans une zone de confort, mais ça te met dans l'état d'ébriété totale. Mais peut-être tu ne sauras pas, parce que quand tu es dans le succès, tu ne sauras pas que dans l'état d'ébriété, tu as uriné. Et quand maintenant tu reviens à l'état normal, on te dit que non, pendant que hier soir, on t'avait ramené, tu avais uriné. Tu dis, oh, mais je ne savais pas que j'ai uriné. On dit, non, j'étais dans un état qui n'était pas normal. Donc Jacob a passé toute sa vie dans un état un peu de distraction. Là, il dit quoi? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Peu nombreux comment? Qui a vécu 130 ans? Et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exploité les années de sa vie. Il a joué des années de sa vie. Prenez garde, conduisez-vous avec prudence. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On ne peut pas être derrière vous toujours. Derrière vous toujours. Quand moi je suis les enseignements de Maman Olengi, j'ai dit, mais Maman Olengi a tout dit. Papa Olengi a tout dit. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions encore refaire, réécouter les enseignements des papas, réécouter les enseignements des mamans. Parce que les gens sont entrés comme dans une distraction. Papa et maman ont été clairs. Leur vision est claire. Les recommandations sont claires. Et quand on est dans l'ivresse, quand on est dans l'état d'ébriété, parfois on oublie. Et la Bible dit, il a vécu 147 ans. Maintenant, en Égypte, il a fait que 17 ans. C'est pendant les 17 ans d'Égypte que Jacob a profité des années de sa vie. Nous ne pouvons pas penser que, même si nous sommes en train de jouer, même si nous sommes distraits, Dieu va commencer maintenant à réserver un temps où il te dit, bon, va d'abord dans la distraction, fais ce que tu veux faire, quand ça sera prêt, je vais t'appeler, viens. Ruth n'a pas regardé ça. Ruth a dit, c'est quelle saison ici? On dit, c'est la saison de la moisson. Ah! Comme c'est la moisson, je me plonge dans les champs. Amen. Elle est entrée dans les champs, derrière les gens qui moissonnaient, elle a commencé à glaner. C'est comme si quelqu'un qui était en train de recevoir les miettes, mais elle est restée là-bas. Même Amen. Boaz lui a dit, on m'a dit que tu ne t'es pas reposé depuis que tu étais venu. Amen. Parce que c'est la saison. Alléluia. Dis Amen. Amen. Parce que moi, comme je suis là, si on me dit aujourd'hui de reconstruire ces bâtiments, je ne sais pas si je saurai. Je n'aurai ni le temps, ni la force, encore moins les moyens. Parce que cette saison-là est passée. Rachète le temps. Je vais te donner un conseil pour terminer. Nous allons lire. Ce n'est pas moi qui te donne le conseil, c'est Dieu qui te donne le conseil. Dans les livres d'Ecclésiaste. Après, tu vas adorer, même si tu étais en état d'ivresse, en état d'ébriété. Donc, on a quitté. Nous avons bébé sans la quitte. Comprendre à quel temps nous sommes maintenant.
Ecclésiaste, chapitre 11. Nous lirons le verset 4 au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, du verset 4 au verset 6e, au nom de Jésus-Christ. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons, la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Voilà les conseils que je te donne, mon frère, ma soeur. Si pas les conseils que Dieu te donne. C'est que celui qui observe les vents ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point, même si c'est le temps de la moisson. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. Dis Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Dès le matin, sème ta semence. Ne laisse pas reposer ta main. Même si tu es à la maison, ne laisse pas reposer ta main. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de jeûner. Continue. Tu ne sais pas comment Dieu va faire dans ta vie. Il y a un temps où Dieu va se manifester. Il va se glorifier dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons très 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 fort Jésus. Amen, amen, amen. Lève-toi là où tu es. Vas-y, Seigneur, aide-moi à marcher avec prudence et que je puisse profiter de mon temps, que je rachète le temps en cette fin d'année. Mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es. Élève tes mains. Élève tes mains là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. À dire merci à Jésus. Tombo li mi gongo na biso, tombo li onza.
Seigneur des seigneurs, nous t'élèvons l'admirable conseiller. Nous t'élèvons, Père éternel. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Ton nom est Adonai. Ton nom est Elohim, l'incomparable Dieu, le redoutable Dieu. Tu n'as pas d'égal, notre Seigneur et Sauveur. Toi, le maître de temps, le maître des circonstances. Sois béni, notre Dieu. Toi, la parole puissante. Toi, la parole créative. Toi qui nous as parlé cet après-midi, tu es le redoutable, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des siècles, Seigneur. Tu es le roi puissant, Seigneur. Alléluia. 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 Nanga yatango nyoso. Seyo Yesu zambe. Awanga. Bota ya mote mananga yoka usi yango Yeswe nazala kikati na pasi yotika kingaite moninga 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 nanga yata gonyoso se Zambe, awanga na kangaite, atanga ina zayi. Oh, babota, babota, babota ya mote mananga, yoka uzi yambo Yesu, nazala kikati na basi, yo. Oh 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 Maya misonanga
Amen. Si tu peux dire, je suis béni. Si tu peux dire, je suis béni. Dieu m'a béni. Par sa parole, je suis béni. Et il m'a délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter les programmes de la semaine. Nous avons l'intercession lundi. Et mardi, de 19h30 à 21h, en ligne, comme d'habitude. Et jeudi, nous avons aussi l'intercession générale de 19h30 à 21h, toujours en ligne. Et vendredi, nous avons notre veillée agressive à partir de 23h jusqu'à 1h. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous voulons vous signaler. S'il vous plaît, maman Sarah, nous voulons dire ceci. Il nous reste 11 jours pour terminer l'année. Les programmes de la semaine, ce sont des programmes vraiment intensifs. C'est-à-dire qu'il nous reste 11 jours, comme disait papa, rachetons le temps. Dans les 11 jours, tout est possible. Dans les 11 jours, l'Éternel est capable de tout. Lui, devant lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Voilà pourquoi les programmes que Maman Sarah donne, ce sont des programmes vraiment à ne pas manquer. Parce que nous allons prier et prier jusqu'à fatiguer. Cela veut dire ceci, nous clôturons le jeûne de 21 jours aujourd'hui.
Mais les 11 jours qui nous restent, nous restons vraiment en soins intensifs dans des prières pour que l'Éternel puisse faire ou des derniers recours que l'Éternel puisse résoudre et répondre. Amen. Voilà pourquoi les 11 jours qui nous restent, donc c'est presque une semaine seulement parce que la dernière semaine, ça sera les derniers dimanches de l'année. Nous allons vraiment racheter les temps, prier aux soins intensifs pour que l'Éternel fasse grâce et miséricorde. Donc les jeûnes se terminent aujourd'hui, mais nous continuons dans l'allure de la clôture de l'année. Donc on était à 110 en l'heure, on ne changeait pas de vitesse, même si on mange en priant, on mange doucement pour pouvoir bien programmer l'année qui va commencer. Que l'Éternel soit loué et qu'il vous bénisse. Merci maman, que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons donner à notre Dieu, même si tu es à la maison, prépare tes enveloppes, tes dîmes, tes offrandes, et nous allons lire la parole de Dieu et l'homme de Dieu va prier. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse 26, 12 à 13. Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il allant à s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche, parole du Seigneur. Nous voulons présenter nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités, nos actions de grâce. Nous voulons s'aimer pour la maison de Dieu et tiens-toi debout l'homme de Dieu, Papa Mons va prier. Oui, notre Dieu, béni soit ton nom parce que tu es le Dieu bon. Le Dieu juste et fidèle. Tu as dit, Isaac sema cette année-là et il alla en s'enrichissant et il devint de plus en plus riche. Éternel, nous avons vu Ruth, quand il est allé glaner, elle était en train de programmer, de préparer de grandes choses. Elle devient mariée, elle devint mère, elle devint celle qui était dans la lignée, dans la généalogie de Jésus-Christ. Parce qu'elle a glané, parce qu'elle est allée à la saison de la moisson. Nous venons à cette saison où nous sommes en train, Père de gloire, de quitter une année difficile pour entrer à une nouvelle année que nous ne connaissons pas. Nous sémons dans ton temple, nous sémons sur ton autel, croyant dans nos cœurs qu'Éternel Dieu, que ce que nous sémons, ce n'est pas en vain. C'est pour moissonner, c'est pour récolter, c'est pour vivre des grandes choses, les choses qui n'ont jamais existé. Éternel, merci parce que tu as dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous venons avec nos dîmes, nos offrandes auprès de toi. Toi, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, daigne bénir cette famille, daigne bénir cette femme, daigne bénir cet homme qui, dans son cœur, a résolu de bénir la maison de Dieu, de s'aimer dans la maison de Dieu, qu'il ne manque de rien, qu'il soit béni dans le champ comme dans la ville, que tout de lui soit béni au nom de Jésus, qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse franchir cette année gloire, grâce à toi Éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, c'est avec joie que nous donnons et nous disons Amen. Amen. Nous donnons avec joie. La porte de la salle est ouverte. Tu peux toujours amener ta dîme. Tu peux toujours amener ton offrande pour venir déposer dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Nos acclamations, tu mérites l'honneur, tu mérites gloire, tu resteras d'éternité en éternité, Dieu. Merci,
parce que tu nous as donné le temps. Cette année, tu nous as accordé le temps de te chercher, de te contempler et de comprendre beaucoup de choses. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé notre intelligence cette année. Merci Seigneur parce que tu nous as fait voir ce que le monde ne pouvait jamais nous montrer. Merci pour cette fin d'année où tu continues encore à nous enseigner. Merci pour ces 11 jours qui restent pour que nous puissions clôturer cette année. Nous les soumettons à toi. Nous recommandons chaque famille en tes mains et nous prions que le Saint-Esprit qui nous a parlé entre dans chaque famille, qu'il fortifie, qu'il exerce nos mains et nos doigts afin que nous puissions continuer à te suivre, à te chercher, à t'invoquer et à te faire confiance. Merci parce que tu seras là pour nous exaucer, pour nous délivrer, pour nous consoler, pour nous fortifier et pour nous faire du bien. Laisse que chaque famille soit bénie, que ce dimanche, cette soirée soit sous ton contrôle et que la semaine qui va commencer soit une semaine qui sera conduite par le Saint-Esprit de Dieu qui va nous fortifier à continuer à prier, à chercher ta face et à entendre ta voix. Merci pour ta consolation. Merci pour la réponse et toutes les solutions que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu bénisse toutes les familles. Soyez bénis.